Je donne plus trop de nouvelles à qui la faut. Viens dans mon coin, ça bibi quelques grammes de puff. Je suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. Bonjour les gars, comment allez-vous? C'est Adrose, je démarre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, on va jouer avec deux armes anciennes, très anciennes même. Donc c'est le tromblon, arme ultra ancienne franchement. Et le petit cochon, une arme que je dis ancienne, qui est encore disponible à la boutique. Mais ancienne parce qu'on l'utilise plus tout simplement. Donc on va faire le tromblon VS le petit cochon tout simplement. Donc franchement j'ai pas vraiment d'idée du résultat. On va tester tout ça sur le médecin. Et on va aller en match à mort. Allez, capture du drapeau Madagascar. Parce que j'ai remarqué ces temps-ci il y a pas mal de gens là-dessus. Let's go les gars. On va y aller. Oula, un petit peu de texture. Excusez-moi si il y a quelques lags aussi, ça vient de Blitz, pas du portable. Donc le le tromblon les gars. Je crois que cette arme j'ai jamais joué avec. Enfin si j'y jouais avant, mais vous savez, à la bonne époque. Oh d'accord, ok, ils viennent déjà prendre le drapeau. À la bonne époque là où il y avait dans les boîtes, il y avait des. Dans les bois, je sais pas si vous voyez. Ouf, ouais. Bon ok, dégâts chelou. Oh c'est énorme. La bonne époque là où il y avait dans les boîtes ce genre d'armes, on pouvait aussi trouver le pilonneur qui était pas premium, des tonnes d'armes comme ça bien bizarre. Bon bien sûr j'ai fait le plein de fortifiants au cas où parce que là c'est un peu galère de jouer avec ça les gars. Et je joue bien en plus le bâtard. Oh ça fait des dégâts. Dans mes souvenirs le rechargement était bien plus long. Donc peut-être que ça s'est amélioré avec mes compétences. Et bah, ah, il y a déjà plein de munitions. Ouais, ben, disons. Hop là, on va faire un petit suicide. En passant, on va aller équiper des items munitions. Parce que là, sinon, on va galérer. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a extrêmement peu de munitions. Oula. D'accord, ça part sur un suicide pour cet homme. Ouh, vous avez tous connu ce bâtard qui te finissait chaque kill que tu faisais. Et ben, c'est moi. Voilà. Ah ouais d'accord, il reste plus rien là, waouh. Donc en fait on a vraiment 5-6 munitions, quoi. C'est de la merde. Bon, question munitions, après le reste, c'est pas mal. Allez, parfait. Ouf, alors faut vraiment s'approcher de ouf pour que ça fasse beaucoup de dégâts. Je vais réessayer là, peut-être que ça va le one shot. Ouais voilà, c'est ça, faut vraiment s'approcher de ouf, ouais. Bah écoutez les gars, j'adore cette arme. Je pense que je vais jouer avec elle en vrai. Hein. De quoi passer tout de suite les gars au petit cochon. Alors là, à première vue, il y a bien plus de munitions. Le design, franchement, j'adore. Ça. Ouais, ça fait penser. Bah ouais, ça fait penser à un cochon. Donc c'est un peu chelou quand même. Mais sinon, j'aime bien le design en or comme ça. Je trouve ça en bronze plutôt. C'est ultra stylé. Par contre, dans cette équipe, ils ont un problème avec les véhicules. Hein. Attends, ils sont relous. D'ailleurs, on va tester le dégât sur véhicule, à quoi... déjà sur lui, voilà. Donc les munitions, ouais, c'est bien mieux. Dégâts, j'ai pas encore pu bien tester. Là, je lui avais fait du 456, un truc comme ça. Oula, oui, c'est énorme, c'est énorme. What? Ah, mais en fait, je tire 22 putains de trucs en même temps. Ah, mais oui, c'est normal, en fait, ça tire des cailloux... En fait, j'avais oublié à quel point les deux armes étaient similaires, en fait. Bon, franchement, c'est pas mal. J'aime bien cette arme aussi. Quand même rajouter des munitions, parce que là, c'est un peu la dèche. Ouh, presque. Ça va. Alors, faut le bouclier, faudrait que je le recharge, mais bon, pas besoin. Là, c'est avec des noobs, donc il n'y a pas de problème. Non, est-ce que je vais arriver à voler? Oh non, je voulais voler le kill. Non, tu prends pas de véhicule, toi. Ok, il a pris un véhicule. Alors les gars, pour le bilan, donc je vais vous montrer les statistiques et à quoi ça ressemble. Le petit cochon premium, il fait bien plus de dégâts que le tromblon. Après, problème, c'est que bah, le petit cochon a une cadence de tir qui correspond absolument pas à ce qu'il fait réellement. Chance de dégâts critiques, 8%, 8% également pour l'autre. Et le tromblon a finalement plus de munitions que le petit cochon. Après, du côté design, franchement, j'adore les deux, ce sera assez dur de départager. Lui il est assez original franchement. Après tromblon j'adore ce style d'arme un peu comme Pierre des Caraïbes, bah savoir pourquoi. Conclusion, je préfère le tromblon, bah pour tout ce que je vous ai dit avant, tout simplement voilà.
Donc voilà les gars, cette vidéo est déjà terminée. Si vous voulez d'autres vidéos comparaison, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je répondrai avec c'est moi aux commentaires avec plaisir. Ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Attendant, je vous dis ciao tout le monde, c'était Adrose, peace les gars.